entre deux rendez-vous, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Une scène fait aujourd'hui encore parler les plus grands bêtisiers, faut le dire. Ça se passe dans l'émission de Jean-Luc Delarue. Ah oui. La production vous demande de faire une fausse bagarre avec Elise et Moon. Alors, vous lui cassez quand même sur la tête une bouteille en sucre. En sucre. Hein, mais c'est vrai qu'à l'écran, on aurait pu croire que c'était une vraie bagarre. Ah bah, où on vous voit prendre une bouteille sur la table de l'animateur. Il a cassé sur, la tête, cassé sur la tête d'Elise et Moon. On va écouter tout de suite ce souvenir. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'aime le foot, moi je te répondrai. Parce que c'est rond, non? C'est un ballon, parce que c'est rond, t'es très drôle. Voilà. Bon bah là, voilà, je crois que c'est bon, là, c'est fini. Le micro, je vous le rends. Non, mais c'est bon. Eh, hey, ça va pas, non? Je suis quand même malade, ce garçon. Mais bon, ça va? Soirée, bah. Alors évidemment c'est mieux à l'image, mais on entend bien le bruit, hein, le bruit qu'on a entendu, c'est le bruit la bouteille. Du fracas. Mais surtout Jean-Luc Delarue n'a dit qu'en toute fin d'émission que c'était une blague. Et ça avait fait un premier, ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz. C'est ça. Et puis dans le public, parce que j'étais dans le public depuis le début, il y avait quand même du public et les gens étaient m'insultaient, ils étaient comme des fous. Et moi j'ai gardé le secret. Et effectivement Jean-Luc Delarue a désamorcé la bagarre à la fin en disant Patrice Abou est un comédien, c'était prévu, etc. Et du coup, ça a fait le buzz, comme on dit. Ouais. Exactement. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.